de se sentir écouté ou choyé, ou qu'on nous présente à tous, on te fait un mois, j'ai déjà 3 mois. Le premier mois, on m'a fait visiter tout, là, tout ce qui était possible, tous les amis, les collègues. Le lieu lui-même était déjà accueillant pour moi, par simple fait qu'il y avait déjà un contact qui avait été établi. Ça a été comme un des plus beaux accueils que j'ai eu. Une belle façon de te mettre en confiance et de dire « OK, bon, ben, c'est là-bas que je vais travailler. » On se disait on aimerait ça avoir ça plus souvent. Ou ne pas sentir que les services qu'on nous donne nous sont dus ou qu'on doit quelque chose à quelqu'un. Mais tiens, venez, prenez ça, puis qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider? C'est comme tu arrives, à chaque fois que tu rentres à un endroit où tu te fais accueillir, un endroit que tu connais pas, tu as toujours une préconception de comment ça va se passer. Puis souvent, on anticipe tout le temps que ça va être un peu plus dur que ça devrait l'être. T'sais. Mais quand c'est le contraire, c'est même pas que c'est neutre, c'est le contraire. T'sais. C'est comme tout tombe. Là, t'sais. Fait que tes référents tombent complètement, puis on dirait que tu deviens. C'est ça, c'est que tu t'ouvres à tout. T'sais. On va se sentir accueilli dans la mesure où on franchit cette frontière entre je sais pas, je me déplace, je fais un mouvement vers quelque part et ce quelque part réagit par rapport à ma demande. Et dans les propriétés qu'on voit, ben, c'est l'expérience qu'on reçoit aussi. Parce que tout le monde est la partie expérientielle de l'accueil citoyen, c'est ça. Quelque chose qui est revenu assez souvent, c'est de prendre le temps finalement. Une des choses qui arrive, c'est qu'on ne prend pas le temps d'accueillir les gens nécessairement. On ne prend pas le temps de se faire accueillir non plus. Puis juste cette générosité-là, c'est pas le même type de générosité qu'avec l'argent ou un effort, mais c'est juste d'être disponible. Un point de saturation, on ne sait plus comment dealer avec une nouvelle personne qui voudrait venir me voir. Quelqu'un qui vient me voir et qui dit « Ah, je pense que c'est intéressant ce que tu fais. Est-ce que moi, je suis capable de l'accueillir dans mon organisation? » C'est-à-dire, est-ce que j'ai des pistes à donner pour qu'il participe à une action sociale? Mais peut-être qu'on a besoin, justement, pour la participation citoyenne, d'espace sans intention, mais qui favorise l'émergence de quelque chose de nouveau. Mais on ne sait pas quoi. Si on sait quoi, il n'y aura pas une participation citoyenne, c'est de permettre de créer un sens, de créer une nouvelle réalité à partir de tout ce qui est là, mais peut-être sans intention. Je pense que la participation citoyenne, c'est vraiment l'expression de la capacité d'initiative, d'innovation des gens. Et justement, faire appel à ce désir de créer, d'apporter quelque chose, de créer quelque chose. On a tellement peu de place que d'en offrir des places comme ça, des endroits multiples, on vient de créer des espaces d'ouverture où il pourrait y avoir des discussions politiques ou encore des activités culturelles ou encore des activités de formation ou d'autres activités qui n'existent pas ou qui existent, mais qui sont tellement formalisées avec des horaires complètement fous et qui ne sont pas non plus en réponse. Ensemble communautaire, puis Cassie, ça devrait aller ensemble. Pas nécessairement. Ben ensemble, on va les rapprocher. C'est parce que. Non. Supposé. Mais c'est parce que c'est pas tous les centres communautaires qui sont avec Cassie. Non. Le parc. La rue. Genre ça. École, institution d'enseignement. La rue. La rue. Il y a un déficit d'accueil d'espace de discussion. En fait, oui, créer l'espace pour lui-même, en lui-même, mais avec une perspective idéologique politique quand même en arrière. Donc, il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit à l'écoute des gens qui partagent cet espace-là, puis qui peut faire naître des collaborations qui ont besoin d'être aidées, tu sais, qui ne viennent pas nécessairement naturellement. C'est pas tout le monde qui a le don de réseautage ou qui a le don d'aller chercher l'autre. Ben, oui, OK, vocation à un lieu, oui, on peut y donner un but politique, mais ça prend quand même quelqu'un qui est un facilitateur ou plusieurs facilitateurs qui vont permettre des collaborations avec les gens. Si c'est complètement désert, c'est pas sécure. Parce qu'il peut se passer bien des choses qui sont pas trop cool. C'est trop plein, c'est pas sécure non plus. Mais par contre, quand c'est ordonné et bien en... Ouais, c'est ça. Ben, ça peut être plat, c'est ce qu'on essaie d'éviter, là, mais ça revient souvent pour les gens de se dire où je me sens à l'aise, c'est là où je sens qu'il y a un certain contrôle qu'il y a. Là. Les gens n'aiment pas tellement le chaos. Mais c'est le jeu entre le chaos et l'ordre, d'avoir des règles souples mais claires, simples, qui permettent, qui invitent le chaos à venir animer le lieu, mais qui a des points d'ordre. Tu as des principes qui guident le fonctionnement et donc les règles intrinsèques vont émerger d'elles-mêmes. Mais si tu mets des règles, tu imposes, t'es qui pour imposer, tu sais? Quand tu as des principes clairs. Tu n'as pas besoin de règles parce qu'elles vont se faire d'elles-mêmes.
sous-sol, comment ça, on est dans des espaces. Les jardins, c'est dans des ouais, une espèce de non, mais il n'y a pas public, ça, c'est privé. On en parle, les gens, ils sont les gens. Dans un matin, c'est privé. Je parlais pas du micro. C'est ton jardin, j'ai le jardin public. Les plateformes de micro-blogging. D'ailleurs, à l'époque de Buzz, Prometheus, ça avait planté. Il y a des principes même éthiques qui sont respectés par tous ceux qui font du Manalab, et que ce soit des citoyens eux-mêmes, des entreprises, des groupes de citoyens, des communautés culturelles, quoi que ce soit. Puis qu'à partir de là, il y a différents niveaux qu'on va vers une ouverture totale où tout ce qui est produit à l'intérieur de cet espace-là va être dans des biens, va être du bien commun. D'avoir comme un principe de Mandalab, ou dépendamment des réalités du groupe ou de l'organisme ou de l'instance numérique qui désire faire partie, c'est avec ses réalités à respecter, mais en même temps son ouverture, qu'elle puisse dire bon, ben, moi je suis prêt à faire ça, je veux vraiment embarquer, mais je peux faire telle partie. Donc, tu reçois pas une licence, mais comme une licence Mandalab X, X, Y, une autre qui peut aller beaucoup plus gros, peut X, Y, Z, puis tout ça est interrelié, donc ça fait des antennes qui te permettent de faire en sorte que, ah, mais eux autres, ils font telle chose, si tu veux aller voir pour plus un élément supplémentaire, tu peux aller voir telle chose. C'est quoi les 5 choses qui font en sorte que je peux affirmer être un espace Mandalab? À la limite, ça peut s'appliquer à l'église. C'est quoi les 5 choses qu'on va faire qu'à l'église? On va mettre notre sticker. Et vérifier. Ouais, puis après ça, on peut dire, effectivement, parce que moi j'arrive ici, puis il y a ces 5 choses-là qui sont respectées, donc c'est ça le terrain de jeu qui est placé. Il y a un Mandalab qui existe, puis il y a des organisations qui s'accrochent au Mandalab de façon volontaire pour poursuivre cet objectif-là. On est tous au clair, on veut faire du changement social, puis on veut le faire de. C'est sur la base au niveau de la gouvernance, dans le fond, on adhère à une espèce de charte de principes, mais il y a des rencontres communautique dans son mandat d'animation de concertation suscite des rencontres de discussion. Et moi, quand je fais partie du réseau, je m'engage aussi à rencontrer régulièrement, à faire un apport qui peut être structuré, plus ou moins structuré. On va t'appeler monsieur. Ouais, là, on est dans du. C'est ça, on avait du. On a eu? Non, plus là. Un stade, c'est comme aéroport, puis gare, puis ces choses-là. Il faut que tu payes pour y aller. Parce que le stade, il faut que tu payes pour rentrer habituellement. Le stade de spectacle. Je trouve ça plus concret, plus intéressant de voir ça en tant que réseau, puis en tant que voir différentes réalités terrain, puis ces différentes réalités terrain-là pourront être respectées quand même, mais en même temps faire partie d'un tout qui pourrait être vraiment bénéfique à tous. Fait que ça, je trouve ça vraiment le fun là, qu'on ait pu. Comment bien cibler ça? Les citoyens dans un quartier, son propre quartier, dans un autre quartier, d'essayer de réunir ça tout dans une même place, c'est très difficile à concilier, tandis que s'il y a plusieurs endroits, donc il y a plusieurs personnes dans un quartier qui se réunissent pour trouver des solutions dans le quartier, puis que ça a un impact réel qu'ils voient. Je suis content, en fait, toute la question, le focus sur les espaces, de pouvoir parler comme ça des espaces. D'initiatives, d'expérimentation, de possibilités, c'est des trucs qui me tiennent énormément à cœur. Puis je suis content en fait que ça a été ça le focus aujourd'hui.